Il me restait un avocat de la semaine dernière quand on avait fait le breakfast burrito. J'ai hésité, j'avoue, ce matin, en me réveillant, j'ai hésité à refaire un breakfast burrito, mais je me suis dit, déjà la semaine dernière, j'en ai mangé deux fois dans la semaine. Une fois quand j'avais vlogué, et le lendemain, j'avoue, je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, pourquoi chercher la complication alors qu'il y a des choses que je sais que j'aime déjà bien et que j'en avais envie, genre, tu sais, quand t'as une petite obsession comme ça, comme pour le tuna melt, genre à un moment donné, j'en mangeais toutes les semaines. Mais là, je me suis dit, non, des œufs et de l'avocat, ça suffit. Et j'ai mis les œufs. Après, je me suis dit, est-ce que je fais des œufs brouillés ou une omelette? Est-ce que je fais des œufs brouillés ou une omelette? Est-ce que je fais des œufs brouillés ou une omelette? Oh. Et après, bah en fait, j'ai mélangé. Voilà. Hier, je voulais commencer à vlogger, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la caméra un peu trop proche de mon visage. Je venais de me réveiller et j'ai vu tous les pores de mon visage, toutes les imperfections, toutes les rougeurs, toutes les taches et tout. Pourtant, de loin, on dirait que ça va et tout. Évidemment, on a tous des pores plus ou moins visibles en fonction de comment on les filme aussi et tout. Mais là, je sais pas, ça m'a angoissé de voir toutes ces imperfections d'aussi près. Je voyais mes points noirs sur mon nez, tout, c'était horrible. Et j'étais grave vexé, donc j'ai éteint mon téléphone et j'ai arrêté de filmer. J'avoue que ça m'a grave contrarié. Du coup, dès que je me regardais dans la caméra pour commencer à filmer, je me trouvais trop moche. Je voyais que les points noirs sur mon nez. Ça m'a traumatisé hier. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on est ensemble et je vlog. Je suis trop content. Hop. Ça, les gars, c'est le nouveau sérum acide hyaluronique de The Ordinary. Enfin, ils en avaient déjà un. En fait, ils l'ont reformulé. Je suis trop content parce que moi, je le savais en avance. Enfin, je le savais déjà. Ça fait depuis le mois de décembre que je le sais. Quand j'étais parti à Toronto dans leur laboratoire, j'ai pu avoir accès au sérum en avant-première. Et depuis le mois de décembre, j'ai le sérum chez moi dans ma salle de bain. Et je fais hyper gaffe à pas, genre, poucave la marque. Aujourd'hui, je voulais un truc léger pour ma crème hydratante. Du coup, j'utilise celle-là, c'est une crème la neige. Là, il faut que je sorte. Attendez, je vous rapproche pour vous dire pourquoi je sors. Je vous rapproche pas trop non plus, sinon vous allez voir mes imperfections. Mais bref, écoutez bien. Ma sœur, elle est juste à côté, donc je peux pas parler hyper fort. J'espère que vous m'entendez bien. Mais en gros, je vais sortir pour lui acheter un petit cadeau. Bon, c'est rien de ouf, mais je sais qu'elle voulait le CD de la Star Academy. Je finis ma skincare et on y va. Tu peux parler normalement maintenant. Je finis ma skincare et on y va. Vous pensez qu'elle m'a entendu? Bon, après, la porte, elle est fermée. Hein. Là, j'ai mis le baume à lèvres Aesop Cedar and Citrus Lip. Un petit peu de crème pour les mains. Je suis dans la team des gens qui ont tout le temps des engelures et des crevasses partout dans les mains en hiver. Même en été, parfois, genre mes mains sont hyper sensibles, genre très sèches. J'ai acheté celui-là il n'y a pas longtemps. Matière première, c'est trop incroyable comme parfum. Je sais pas si je... Je vais vous faire un outfit check juste avant de sortir. Alors, on voit rien en fait. Je vais commencer par le haut, après le bas. Ce pull APC, je vis dedans. J'avais dire que dans le pull, j'ai posé mes valises. J'ai dit j'habite dedans. Il est... En fait, j'adore la couleur, c'est hyper simple. Je trouve que le bleu foncé comme ça, ça m'a plutôt bien. Et bah en fait, il est assez simple, enfin, je sais pas, genre très basique, mais en même temps confortable. Et j'avoue que il est dans ma rotation d'outfit de manière très. Enfin, très souvent quoi. Après, j'ai mis mon écharpe Gani, très simple, grise. Un blouson
en cuir que j'avais acheté sur Vinted l'année dernière. Et super, on voit toujours pas. Ça fait genre, vous avez pas vu, je sais que la dernière fois j'avais dit que j'avais rangé ma chambre, mais ça en fait, on n'a pas vu. J'ai mis un pantalon bleu marine que j'avais acheté l'année dernière chez Uniqlo, qui est trop bien parce qu'il est stretch, donc il est très confortable. Et voilà, je peux faire des grands mouvements comme ça, même si ça ne sert pas à grand chose. Et ça, c'est vraiment les vêtements qui me disent « tu te fous de ma gueule, la semaine dernière, t'as dit que t'avais tout rangé ». En fait, il y a… Bref. Quand je rentre, je range, c'est sûr. Mais en fait, j'ai pas de portant dans ma chambre. C'est ça, en fait, mon vrai problème. Voilà, c'est cette problématique-là à laquelle je suis confronté. J'ai pas de portant dans ma chambre. Et en fait, ce meuble-là, il n'y a pas assez de place. Et en fait, c'est le coin de mon lit qui sert de portant. Et juste, je mets une veste, une deuxième veste, une troisième veste. Parce que j'hésite parfois et tout. Enfin bref, vous savez très bien, avant de sortir, tu sais pas forcément quel manteau, quelle veste mettre et tout. Donc, tu essayes plusieurs trucs. Et au final, tu les laisses là et tu te dis quand je rentre, je range, mais pas du tout. Bref, là, c'est pas ça la question, c'est pas ça le sujet. On n'est pas du tout sur un vlog rangement. C'est pas du tout la direction que j'ai envie que ma journée prenne. Je rangerai plus tard, c'est pas grave. Et en basket, j'hésitais entre mes Wells Bonner Adidas qui sont trop belles, mais en fait, pour le coup, ça va bien aller avec l'outfit. Parce que tout est simple. Et là, c'est la petite touche d'originalité. Mais j'ai peur qu'il pleuve. Et en fait, la matière. Regardez, c'est genre, je sais pas comment, des poils, des poils de la, c'est pas de la fourrure, mais c'est genre effet poil d'animal, vous voyez. Donc ça, ça va être ruiné s'il pleut. Donc je pense que je vais mettre juste les samba classiques. Alors là, je vais aller voir à la Fnac s'ils ont le CD pour ma sœur. Tant qu'à faire, vu qu'on est là, j'ai trouvé l'album de la Starac. Je vais aller voir au rayon livre s'ils ont encore mon livre ou pas. Les gars, j'ai pris une petite soupe miso. Ça sent super bon. Je me suis posé au parc. Ça va, il fait pas froid. Mais il fait pas très froid. J'avais peur qu'il pleuve, mais il fait juste gris. Et j'ai pris un sando. C'est des sandwichs japonais, vous savez. Alors, j'ai pris ebi sando. C'est genre, ça a l'air hyper bon. J'avais déjà mangé là une fois, il y a très longtemps. J'avais pris de sandwich au cabillaud. Et là, je voulais goûter à la crevette. Ça a l'air super bon. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien garni et aussi joli. C'est du coup, ebi sando, c'est en gros des crevettes panées avec du chou. Et il y a une sauce tartare aussi. C'est là. C'est bon, c'est très bon. Franchement, c'est bon. Et c'est dommage que le pain il soit toasté, mais il n'est pas croustillant, il est un peu mou. Je pense que normalement, c'est censé être un peu croustillant quand même. Franchement, ça va, c'est bon. Après, je trouve que c'est un peu bourratif quand même. Il y a du pain et en fait, les crevettes, elles sont panées dans un truc. Mais c'est assez épais comme panure quand même. Mais en tout cas, c'est bon. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas... C'est pas dégueu quoi. C'est bon, c'est genre 6,75, 7 sur 10 quoi. Pourquoi il y a ça dans le carton?
Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de foin. Moi, je pense que c'est pour pas que les produits ils se cassent, mais j'ai recommandé mes huiles au CBD. Alors, celle-là, j'ai l'habitude de la prendre. C'est CBD avec de la mélatonine. C'est pour t'aider à dormir. Ils m'ont mis ça en plus. Je pense que passé un certain montant dans la commande, ils te rajoutaient une huile. Il y avait une promotion, un truc comme ça. Le deuxième, je vais le donner à Marion. Marion, si tu regardes cette vidéo, ça va calmer tes angoisses. Moi, ça marche assez bien. Je vous dis ça, mais vous savez même pas c'est qui Marion. Marion, c'est une de mes meilleures amies. Et à chaque fois, je lui dis, si t'arrives pas à dormir, si t'es trop stressé et tout, essaye le CBD. Mais en fait, c'est des produits qui sont chers quand même. Je pense qu'elle avait juste la flemme de mettre genre 50 ou 60 balles dans un truc pour que ça fonctionne pas. Donc là, c'est très bien. Donc, je te la donnerai quand on se verra. Tiens, cadeau. Ah. Ok, il est minuit. Je vais faire un petit thé. Je vais faire ça. Quand j'ai vu dans la boutique, j'avoue que j'ai eu tout de suite envie d'en acheter. En gros, ils ont précisé que c'était un thé sans théine. Genre, c'est juste des branches de thé. Pas brûlées, mais. Attendez. Adam, elle m'a donné une feuille avec. C'est des instructions. J'avoue que, en fait, ce qui m'a donné envie, je vais vous dire, il y a deux trucs qui m'ont donné envie. J'avoue, c'est l'exclusivité du produit. Même si peut-être que c'est faux, j'en sais rien en fait. Mais genre, à côté du rayon où il y avait le thé, il y avait écrit pour la première fois, et c'est écrit encore sur l'étiquette, pour la première fois, ce thé exceptionnel se trouve présenté à Paris et vous avez la chance de pouvoir le goûter. Moi, j'étais là, oh waouh. C'est vraiment du marketing level 0 et pourtant, moi, genre, je tombe la tête la première. Après, c'est sûrement vrai. Hein. Peut-être que c'est la seule et unique boutique de Paris qui propose ce thé. Apparemment, c'est un thé spécial parce qu'ils disent que ce thé n'est produit que dans la ville de Kanazawa. Il est servi dans de très nombreux temples au Japon. Ça m'a intrigué vu que je suis jamais allé au Japon. Je suis curieux de savoir quel thé il sert dans les temples là-bas. C'est un thé vert dont on fait griller les tiges. Voilà. Donc les tiges, elles sont grillées. Et donc, c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de théine. Parce qu'en fait, il n'y a pas de feuilles. Il n'y a que des tiges. Peut-être qu'il y a une autre explication aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est formidable parce que quand tu veux faire du thé, mais que tu as envie de dormir aussi, eh ben, c'est une bonne alternative. Après, il y a les tisanes aussi. J'aurais pu faire une tisane. Je n'ai pas forcément besoin de thé produit à Kanazawa pour boire avant de dormir. Maintenant, le packaging était mignon. L'exclusivité du produit est intéressante. Et juste, je voulais acheter un truc. Il n'y a pas de 15 000 raisons. Je me suis posé dans mon lit, je chuchote parce qu'il est vraiment tard et je veux pas déranger ma famille et tout. On sent le goût du grillé. Ça me rappelle un peu le thé, je sais pas si vous avez déjà goûté. Le thé au riz grillé. C'est du vrai thé pour le coup. Ça ressemble un petit peu. C'est spécial comme goût. Avant d'aller dormir, je vais mettre juste ça, mais en grosse quantité. C'est la Cicaplast. C'est un baume ultra réparateur et apaisant. Et moi, avant d'aller dormir, j'aime bien en mettre une grosse couche pour que comme un masque en fait. Genre, j'utilise le baume comme un masque. Bref, je vous fais des bisous. C'est la fin du vlog. J'espère que ça vous a fait plaisir, ça vous a plu, qu'on passe la journée ensemble, même si on n'a pas fait énormément de choses, on n'a pas fait grand chose. Je suis content qu'on se retrouve quand même. Tous les dimanches, car de loin, prenez soin de vous et j'espère à la semaine prochaine. Des bisous.